C'est facile que Coraline. C-O-R. Non. I-N-E. I-N-E à la fin, oui. Je préfère toujours demander. On sait jamais. C'est de préférence. Oui, mais c'est ce que vous avez, Gina. C'est pas avec un Y, par exemple. Ah oui. Quand tu sais pas. Donc c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai pas de défi. Mais si. Et si tu veux, on a fait une vie, on se fait un délire, on fait la peau de l'école. Je suis sûrement que c'est un c'est ça. Moi, c'est le samedi. Alors, moi, généralement, le samedi, c'est ménage, donc là, par contre, Mais après, à mon avis, je sais pas. Non, mais il faut aussi pas pour s'organiser. Et voilà, nous sommes le samedi 23 janvier, oui c'est ça, pas décembre. Non, c'est nous venons d'aller à Intermarché de Langon pour une séance de dédicace que vous avez vue juste avant, avec l'auteur Erika Boyer et Laetitia Dezelis. Elles sont super gentilles, on est content de cette rencontre, ça a été très agréable. Et nous allons faire 2-3 courses à Leclerc et après boire un café chez moi. Voilà, à plus dans le bus. Pascal, il aime pas quand je dis ça. Ah non, ça c'est sûr. À tout à l'heure dans le tracteur. Con. Re-coucou, je vous reprends après la séance de dédicace et notre petit moment sur le parking de tout à l'heure. On est chez moi en train de prendre la pause café et le goûter avec Vanessa. Et je vous montre les deux livres que j'ai achetés à Erika. Donc, j'ai acheté Sous le même ciel. C'est une romance elle-même. Je vous montre la dédicace qu'elle m'a faite. Elle m'a en même temps donné deux marque-pages de ces deux histoires elles-mêmes que j'avais lues juste avant. Ils sont trop beaux. Et la petite dédicace. Voilà. Je trouve ça trop mimi. Je vous mets le résumé. Ça sera ma prochaine lecture après les deux livres que j'ai en cours, là. Et l'autre auteur qu'il y avait avec elle, Laetitia Dezel. Voilà. Je vous mets le résumé. Et la dédicace... Ah oui, elle m'a offert le marque-page qui va avec et un petit flyer. Et la petite dédicace. Elle s'est trompée, on n'était pas le 22, on est le 23. C'est pas grave. On n'y en voudra pas. Moi, ça m'arrive de me tromper dans les dates aussi. Toi aussi, je suppose, Vanessa. De quoi ? Ça t'arrive de te tromper dans les dates ? Oui, souvent. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je sais pas si je vous reprendrai demain en vlog. Je vous reprendrai sûrement lundi. Et voilà. Coucou à tous, je vous reprends aujourd'hui. Vous voyez, j'étais patiente de pouvoir vous prendre. Nous sommes le dimanche 24 janvier. Je me prends un bon petit bain. Désolée, on y voit flou parce qu'il y a la buée. Hop, je suis dans la baignoire, comme vous pouvez le voir. Et je me regarde un film sur TMC en direct, là. Méfiez-vous des apparences, c'est pas mal. Et je me lis pendant la pub que je vais lire là. Deux semaines en hiver, aux éditions M pour Bouma. C'est un SP que j'ai eu grâce à Nel Gallet. C'est le livre que j'avais entendu parler par Mila Queen et que je m'étais précommandé. Et il n'est jamais arrivé à temps. Du coup, j'avais annulé ma commande. Bah, ça m'était trop de temps à arriver. 15 jours après, je l'avais pas. 15 jours après la date, je l'avais pas. Et j'espère que vous entendez ma voix avec le son. Je n'ai pas trop. Et du coup, je le lis pendant la pub et j'adore. Donc, je regrette pas, ils ont accepté ma demande de SP. Donc, je suis trop contente et voilà. J'espère que je vais être une partenaire SP avec eux aussi. J'ai demandé un partenariat pour 2022 en espérant que ça et le chat noir, j'attends. Et les éditions du chat noir, j'espère être prise, mais je crois pas trop. Voilà les petites nouvelles du jour. Mon chéri, lui, il est à la chasse. Hier, c'était ma journée. J'étais en dédicace avec une amie à moi et deux copines auteurs du coup que j'ai retrouvé. Et là mon chéri aujourd'hui il est à la chasse et moi je suis toute seule à la maison. Et du coup je prends soin de moi. Je vais le chercher tout à l'heure mais en attendant c'est après-midi cocooning. Voilà, c'est lecture et film.
Et ben, à plus. Coucou à tous, nous sommes toujours le dimanche. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré la chienne, alors je vous la montre. Doucement, belle. Elle est collée à moi, alors va jouer. Tu me sautes pas dessus. Va jouer. Tu veux que je t'envoie le bâton? Allez, Ben. On la voit pas bien, c'est dommage. Je sais pas si vous la voyez. On est toujours du coup le dimanche 24 janvier, pardon. Ça y est, je sais plus. Montre aux gens ce que tu fais du cirque. Non? Tu ne mets pas sur le banc? Et ma fifi? Tu te mets trop près de la caméra! Elle me colle alors, voilà. On va voir ça en bas pour voir. Je vais vous montrer l'autre, mais elle est dans le chien. Et le chien, j'aime pas trop vous montrer. C'est un peu en bazar avec les chiennes. Enfin, c'est pas vraiment en bazar, mais je veux dire. Vous allez voir, attendez. Un petit citronnier. Ça pousse pas les citrons. T'es belle. Tu portes bien ton nom, oui. Belle. C'est moi qui lui ai donné ce prénom. Je suis contente de moi. Belle et Sébastien. Nani, nani, nana. Je te chante des chansons. Chut, arrête. Il y a l'autre chienne dans le chien. Je vais vous montrer. Attends, c'est un peu sombre. Ah, on n'y voit rien. Il met Samba. Oui. Ah, tu m'adores, Samba? Viens. Doucement. Vous allez, voilà, vous la voyez mieux. Et Samba, nous. Oui, ça, c'est la grande. Elle a 9 ans, 10 ans. Et la petite, elle a 1 an. Samba est belle. C'est quoi qui est tombé, d'ailleurs? Ah, c'est ça. Non, Ben, tu vas pas le détruire, ce truc. Elle a fait tomber un truc, la morpionne. Attendez, je le remets. Si j'y arrive, c'est bon. Coquine. Coquine. Oui. Maintenant, un peu, ça va, nous. Oui. Ah, ça, t'aimes. Eh, je t'ai dit non, ça. C'est non. Coquine. Voilà, vous avez vu les deux chiennes. J'avais dit que je vous les remontrerais. Ça faisait un moment que je voulais faire et je vous montrais que les chats en vidéo. Là, c'est mon petit jardin. Et puis, tu me suis partout, toi. Toi, tu me suis comme on nombrait. Comme on nombrait, toujours derrière moi. Voilà, mais je vous laisse. À plus. Ah, recoucou, nous sommes toujours le dimanche 23. Vous voyez, il est 18h bientôt. J'attends que mon copain finisse la chasse. Il a fini, mais ils sont en train de dépecer des sangliers pour aller le chercher. Et je me suis remis un peu à écrire. Donc je suis sur le site Mind Control, vous voyez. Et voilà. Je me remets un peu à l'écriture. Il faut que je me corrige parce que j'ai vu plein d'erreurs. Et voilà. Mais je me remets un peu à l'écriture. J'ai décidé cette année qu'il fallait que je finisse mon roman. Ou du moins, au moins pour l'année prochaine, le finir. Voilà, j'aimerais bien. Ben, je vais me faire un roman d'au moins 250 pages pour pouvoir le publier. Donc, on verra. Voilà, bon, cette fois, c'est la dernière fois de la journée que je vous prends. Et voilà. Je vous dis à demain, cette fois. Au moins, vous verrez, le titre, ça va être une semaine entière avec moi. Du samedi au samedi, je pense. Je vais faire le vlog. Comme ça, il va durer assez longtemps. Ou de samedi, de hier à vendredi prochain. Pour que je le mette en ligne ce week-end, Karine. Comme ça, vous l'aurez. Voilà, à plus. Coucou à tous, je vous reprends en vlog. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 janvier. J'ai mon petit café. Et le replay des mystères de l'amour de dimanche. Je vous ai pas pris hier parce que je n'y ai pas pensé. Hier matin, je me suis levée pour aller chercher des stages. J'en ai pas trouvé encore. Aujourd'hui, je vais appeler des endroits qui seraient susceptibles de m'accueillir en stage. enfin, cet après-midi, je vais faire ça. Et demain, je travaille par contre de 8h à 18h en centre de loisirs, donc ça va faire du bien. Et voilà, aujourd'hui, j'ai rien de prévu de spécial. Regardez ça, lire. Et voilà, tranquillou. Et appeler pour des stages. Voilà, je vous laisse pour maintenant, je vous montrerai mes lectures en cours plus tard. A plus.
Voilà où j'en suis dans ma lecture. Tornila. Nous sommes le 26 janvier et 7h04. Voilà. Et j'en suis à 55 pages nues de ce livre. Voilà. Coucou à tous, nous sommes le 27. Non, non, vous restez là, les filles. Non, Ben, là-bas. Et les filles d'amour, oui. Vous voyez, je vous remontre un peu les chiennes. C'était les chats l'année dernière. Cette année, ça va être un peu les chiennes, les deux, quoi. Les chats, les chiens. Voilà. Nous sommes, du coup, je disais, parce que je vous ai pas pris en vlog, aujourd'hui encore, on était le 26 hier, nous sommes le 27 janvier, le jeudi, il est 14h, voilà, j'ai un peu avancé dans mes lectures, je vous montre le petit combat hier, en fond d'écran, pendant que vous avez ma voix. Hier, je vous ai pris vite fait, avant d'aller au travail, j'ai travaillé de 8h à 18h en centre de loisirs, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé, on a fait une balade en forêt le matin et l'après-midi j'ai fait des jeux de société avec les petits, c'était super. Voilà, mais ça m'a beaucoup fatiguée là, aujourd'hui je suis fatiguée. Demain je vais devoir aller faire un tour pour trouver des stages un peu, je vais essayer. Soit dans le secrétariat, soit en crèche, je sais pas trop encore. Enfin, j'ai rendez-vous avec Pôle emploi mercredi prochain. Donc voilà. Et voilà le petit compagnon. Voilà, mais c'était pour vous faire un coucou, mais je pense que la vidéo, elle sera encore courte, elle ne fera encore que 15 ou 20 minutes, parce que je vais finir demain le vlog. Ça aura été une semaine avec moi, mais à part les dédicaces et tout ça, mes lectures en cours, mes séries, vous parlez de mes séries, des animaux et tout, je ne sais pas trop quoi vous dire, alors si vous avez des idées, si vous voulez que je réponde à d'autres questions aussi... Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une FAQ ou autre chose, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en bas. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un peu barbant mes vlogs. Ou est-ce que si vous aimez, n'hésitez pas aussi à me le dire. Bon, apparemment, vous avez l'air d'aimer, mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu fans, mes vlogs, donc je sais pas. Si c'est moi ou si c'est une idée ou si c'est... Voilà. Bon, mais écoutez, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que depuis hier, je n'ai pas trop avancé dans mes lectures. Si, j'ai lu 32% de mon e-book MXM Bookmark, mais je ne peux pas vous le montrer. Je le lis sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Voilà. J'ai bien avancé dans mon SP, le MM de MXM Bookmark. Et mes autres lectures... Cybelle, Sibylle et Tornil, je vous les ai montrés hier. J'ai surtout montré Tornil hier. Et Cybelle, Sibylle, j'en suis à 105 pages de lu sur 300 et quelques. Donc voilà, j'avance petit à petit en ce moment. Mais en janvier déjà, j'ai lu 6 livres. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Pour une fois que je lis pas mal. Voilà, mais écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai que demain. A plus. Je vous reprends où nous sommes le vendredi 28 janvier, ce dernier jour de vlog en vacances. Oui, ça fait du bruit parce que je suis en train de décoller ma voiture là. Il est 9h30 du matin. Nous allons partir à là où ils vont repérer des stages dans le secrétariat médical. Et en même temps, je pense que je vais m'arrêter à l'autre. Parce que c'est à côté. Voilà. J'ai déjeuné, je ne savais pas quoi. Voilà. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai sur moi tout à l'heure une dernière fois. Je vais faire des achats à l'autre si j'en fais. Mes lectures en cours sont arrivées. Voilà. Et si j'ai eu des stages ou pas. Oh mince, j'ai failli oublier ma chemise. Je vais aller chercher ma chemise de stage. Voilà. À plus. Coucou, je vous reprends pour la toute dernière fois de ce vlog là. Nous sommes toujours le vendredi 28 janvier, cette fois il est 11h30 passé. J'ai mangé là, mais avant je vous montre mes lectures en cours où j'en suis. J'ai bien avancé dans Cybelle, Sibylle,
Voilà. Et dans Tornil, pareil, j'ai bien avancé. Voilà où j'en suis. Il me reste la moitié là de Tornil, 6000, 6000, presque la moitié. Et mon MM de MXM Mark, j'en suis à la moitié aussi. Donc ça devrait au moins le MM de XM Mark, j'aimerais bien le finir d'ici mardi prochain. Je pense qu'il peut être fini. À voir. J'aimerais bien en tout cas. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprends soit demain, soit lundi pour une nouvelle semaine de vlog. On verra si je filme, je ne sais pas trop. J'ai pas trop d'idées en fait, donc si vous avez des idées à me... Dites-moi dans les commentaires de quoi je vous parle. Mais toi, tu viens me voir? Tu viens me voir? Me manque pas, j'ai rien à te donner. Oui, parce qu'il mord un peu ce coquin. Il croit qu'on lui donne de la nourriture et il mord des fois. Oui. Voilà. Bon, mais je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. À plus dans le bus. Lol.